Alors, je m'appelle Abderrahmane Riziga, j'ai 20 ans, je suis service civique aux Bobines Sauvages et je veux devenir acteur. Moi, c'est Amin Hassan, j'ai 19 ans et je suis réalisateur amateur et je vais devenir réalisateur professionnel. Notre film, il s'appelle L'Accident. Donc, en fait, c'est l'histoire de trois amis qui sont chez l'un d'eux à qui il va arriver une merde, on peut dire ça. Un accident. Un accident. Un accident. Donc, l'idée, c'est une idée originale de Abderrahmane Reziga. Ouais, c'est une idée que j'avais, enfin que Ayoub Noumi, il a joué dedans avec nous, avec moi. Et en fait, il m'a donné une petite idée, une toute petite idée. Et avec ça, ben, j'écris tout le film. Et voilà, c'est. Et puis il est venu me proposer le scénario à moi, parce que moi je suis plus calé en réalisation. Donc j'ai repris le scénario, j'ai réécrit un peu à ma façon. Et donc avec son aide, je me suis lancé dans la réalisation. C'est-à-dire qu'on a posé les jours de tournage. On devait tourner pendant 4 jours. Moi on a tourné pendant 3. C'était entre deux festivals, entre deux voyages on va dire. Et mon ressenti, franchement, c'était fatigant, mais c'était cool. Franchement, c'est pas mal. Bonne ambiance de tournage et tout, bonne équipe. Surtout bonne équipe. Surtout bonne équipe. Alors les acteurs. En fait, comme je suis acteur et en fait je veux devenir acteur, du coup j'ai écrit le scénario, je l'ai donné à Amine. Et je lui ai dit, je te le donne à une condition, c'est que je tourne dedans. Et moi, ben, j'ai accepté directement, quoi. Non, les acteurs, on a fait Ayoub. Avec Boumi et Abdou qui étaient déjà directement actés pour jouer dans le film parce que l'idée vient de eux. Et Bilal Bouzalmat, en fait, on devait avoir une personne à sa place. Le jour du tournage, elle ne s'est pas présentée. Du coup, j'ai appelé Bilal le matin, il est arrivé. Et c'est comme ça qu'on a eu. Et pour les autres, on avait fait un appel à casting, en fait. Et donc, on avait les deux Colettes, les deux de Colettes, et on avait Karima aussi. Et les deux policiers. Les deux policiers aussi. Sur casting. Sur casting, les tous. Ce qui m'a plu pendant le tournage, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, bonne ambiance, bonne dynamique, bonne équipe. Et voilà. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, quand j'ai écrit le film, j'avais tous les plans en tête déjà. Et du coup, quand je venais parler à Amine, il m'a compris directement, il voyait déjà tous les plans qu'il y avait. Et du coup, quand on était dans le tournage, eh ben, j'avais pas besoin de répéter en fait. J'allais voir Amine, je disais ouais, il faut faire ça, ça, ça. Lui me disait ouais, je sais, c'est bon. Et des fois, je parlais même pas. Il faisait déjà tout et c'est ça qui était bien. Moi, ce qui m'a plu, c'est ça. Et on était aussi beaucoup aidé de Ibrahim Reziga, Ouais, qui qui est était son 4 heures. frère, qui était 4 heures sur le court-métrage, qui lui a un peu plus d'expérience que nous, mais qui nous a apporté son aide. Et comme sur tous les métrages qu'on réalise, ben, il est toujours avec nous. Ben, là, il était là comme soutien et franchement, c'est aussi un peu grâce à lui. Ouais, parce qu'en fait, il a fait plein de plans à lui. Par exemple, moi, je lui disais à Amine, je dis, ouais, on fait ce plan-là. Et j'allais me mettre en place. Et quand on était en place, on n'a pas fait du tout ce plan-là, en fait. Et quand on est parti voir les rushs de la caméra, c'était extrêmement bien. Du coup, je remercie. On remercie. Vraiment, les gars. J'ai pas de modèle de réalisateur, mais j'en ai un que j'aime beaucoup. Mais pour l'instant, j'ai pas fait assez de films pour pouvoir dire que je m'inspire de lui. Mais c'est Martin Scorsese. J'aime bien ses films. Mais pour l'instant, j'ai fait deux courts-métrages. Du coup, je sais pas si c'est mon modèle. Non, je pense pas. Moi, j'ai pas de modèle parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, je suis acteur et pas réalisateur. Mais ouais, bon, je vais répondre à la question en tant qu'acteur. Moi, je m'inspire de Keanu Reeves pour jouer mes scènes. Alors, mon inspiration, c'était en fait, on était en manque de scénario, en fait, d'idées. On était posés comme ça, moi, Amine aussi, il était là avec Ayoub Noumi, on était posés. Et on s'est dit, ouais, faut tourner un film. On était chaud, fallait tourner un film, on trouve l'idée, on écrit maintenant et on tourne. Et on n'avait pas d'idée, on restait posé pendant 5 minutes, on parlait pas comme ça. Et au bout d'un moment, il me dit, vas-y, c'est un mec qui fait ça, 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 ça. Et du coup, j'ai gardé son idée comme ça. Mais lui, je savais qu'il était en train de rigoler, tu vois. Du coup, il rigolait, après, je lui dis, attends. Dans ma tête, je me dis, c'est bon, elle est bien cette idée. Du coup, je suis parti à l'ordinateur et j'ai commencé à écrire, écrire, écrire. Et à la fin, ça a donné ce que j'ai fait.
Et aussi le truc c'était que c'était d'écrire un scénario avec beaucoup d'expressions du visage, comme ça eux ça les entraîne pour de futurs courts-métrages. Et là je pense que cette idée elle collait bien avec ce qu'ils voulaient faire. Donc voilà. Un petit mot pour la fin, confiance. Le mot confiance. Parce que en fait pour faire un film, pour avoir confiance en soi, il faut aller jusqu'au bout de ses idées. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé aussi entre nous, ce qui m'a fait confiance. Moi je lui fais confiance aussi. Et on s'est tous fait confiance. Et voilà. Ouais, moi aussi c'est la même chose, la confiance. Alors, un mot pour décrire notre film. Suspense. Suspense, ouais. C'est un film où il y a beaucoup de suspense.